Attention, Coco, Coco, pour Dandy 33, est-ce que t'es là? Ah, ça se surmodule. Alors, on a le secteur de Marmande, on entend un peu Bordeaux derrière, on entend un peu Angoulême aussi. Attention Coco, Coco pour Dandy 33 qui t'appelle.
j'ai encore un âge, moi, entre 2 et 3, quand même. Mais ça va, c'est pas gênant, quoi, je suis habitué. Tant que ça monte pas plus haut, non, ça va, 2, 3, maximum, au niveau du bagage. Et là, sur la dossier, s'il vous plaît. Il y a trop de bruit, sinon. Ah, c'est Christophe, bonjour à toi, c'est Charlie au boulot, le clair, c'est Philippe, bonjour, je compte ça. Ah, du bon côté, à bientôt. Et j'ai invité le temps.
recevoir la moitié du bon amour. Ah, mais je sais, je vais sûrement faire un petit échange. Je vais l'échanger contre une Sigma. Laquelle Sigma? Parce qu'il y en a beaucoup de Sigma. C'est pas la Sigma 4. Non, merde, je déconne. Contre une IMAX. Ah bon? Il faut que je change la mienne, elle est toute sale. Oh, ah, Pio, putain, tu prends un fil un peu de café, hein? Tu prends que les autres. Ah, ben tiens, voilà, papa Hervé. Allez, il doit la famille. Bonjour, monsieur Cepetto, bonjour, monsieur Papio, et Gutentag, Herovers, je suppose, bien aussi, Christian, il t'a fait rire par là. Gutentag, Herovers. Salut mon petit Hervé, qui est plus grand que moi. Comment vas-tu? Tu feras une grosse bibis à toutes tes femmes. Plus gros que toi aussi. Ben écoute, maintenant ça devient compliqué de faire la bibis à toutes mes femmes, parce que ben, pour les trois drôlesses, elles sont chacune éclatées un peu partout dans le France et le Benelux. Donc maintenant c'est compliqué de les avoir toutes les trois pour la fin de bisous. Salut Hervé d'Eric. Bonjour Eric. Bien, avions la réaction, avions la même poste. Réaction. Eh, ça vient sans grève. Et tu as sans grève. Écoutez, je sais pas, mais je sais pas si vous avez vu la paye d'un pilote. Oh, nom de Dieu. Oh, putain, ces payes qu'ils ont, yo. Mais t'en connais beaucoup, toi, de métier, où t'as la responsabilité de vie et de mort sur les gens qui sont avec toi, plus la tienne. Ouais, mais ils ont 300 morts vivants dans la carlingue, là. T'as vu l'avion de tourisme, là, aussi, là, le parachutiste, là, qui s'est craché, là, avec qui s'est affiché pour éviter que son avion se crache sur les habitations, là. C'est vraiment ce qu'il a fait, le mec, hein. Le certificat d'études va peut-être pas suffire. Hein. Cette année, maintenant, c'est vrai qu'on est de plus en plus jeune depuis l'hôtel. Je regardais un documentaire l'autre jour, à partir de ses armes et tout ça, il commence à. Il se débrouille. Mais il faut que ça paye les études et tout. C'est comme ça leur revient, c'est pas arrivé à tout. L'autre jour, il y avait un reportage. Donc, il gagne, faut qu'il paye moins 100 000 euros pour arriver. Il avait fait la formation de pilote de ligne de Air France, il avait amené pour 500 000 francs à l'époque, et manque de peau, il a fait une attaque cardiaque suite à un accident de l'avion de tourisme, et il n'a jamais pu exercer son métier, mais il a fallu qu'il rembourse les 500 000 euros. Ouais, il faut qu'il paye que leurs études et tout le bordel, ça se trouve pas. Alors aujourd'hui, il va baisser la taille de tout le monde, sauf celle des députés du ministre. Ah. T'as pas besoin de la baisser, là. C'est à vous, tout ça, non? Ah, on est gouverné par une bande d'enculés. Alors là, la première fois, mon copain, je te donne raison. Ah oui, alors. Alors là, je vote. Ça peut être gouverné par des enculés. Toi, René, fais gaffe, tu vas morfler, parce qu'avec ce que tu calques tous les mois, là, avec toutes tes retraites que tu cumules d'emploi et tout, ils vont pas te louper. Non, mais je sais, j'ai reçu ma carte foncière. Alors, mon dé, parce qu'avec la pluie qu'il y a eu, le tiret s'était tiré. Oh, mais tu vois, tu es de ce côté, là.